Nous sommes en train de coordonner la réponse de l'État, à laquelle nous associons aussi des ONG. Et l'idée est principalement de répondre aux besoins qui sont exprimés par les autorités indonésiennes. Notre aide à nous se concentre sur deux secteurs d'aide, on va dire deux clusters pour reprendre la terminologie humanitaire. Le premier, c'est la production d'eau potable et le second, c'est l'électricité. On est juste le module logistique qui allons accompagner tout le fret du détachement. Donc il y a à peu près 80 mètres cubes de matériel, notamment de traitement de l'eau, puisque l'ensemble du détachement qui part séparément va être déployé là-bas à Palu pour faire du traitement de l'eau. Donc nous, on est chargé de faire tout l'accompagnement du matériel pour l'amener là-bas, et que ça se déroule dans de bonnes conditions et que surtout tout arrive, parce que sans matériel là-bas, on aura du mal à travailler. En priorité, la station de potabilisation mise à disposition par le COGIC, le Centre opérationnel de gestion interministérielle des crises, c'est tout ça. Et une partie du fret qui est derrière nous, et c'est ce qui va permettre de fournir à peu près la moitié des besoins en eau qui ont été exprimés par les autorités indonésiennes sur la zone sinistrée. En plus de ça, on a d'autres frets qui sont disponibles et qu'on voit ici. Par exemple, ici, ce sont les caisses du Secours islamique France. Ce sont 2 millions de pastilles de purification d'eau. On a également là-bas des stations de potabilisation mises à disposition par la Fondation Veolia. On a des groupes électrogènes d'électriciens sans frontières. Et encore derrière, on a des tentes à nous qu'on va charger en tout dernier, un petit peu comme variable d'ajustement du fret. Et après, on verra. Ce qui est prioritaire, évidemment, c'est tout ce qui est ici, c'est la station de potabilisation. Ce sera surtout de veiller à ce que le matériel, le fret humanitaire arrive bien à destination et qui est Palu, donc avec des escales à Balikpapan qui est le centre névralgique d'accueil de toutes les offres humanitaires des autres pays. Et de là, être sûr qu'après, tout soit bien installé sur site pour que, notamment, le morceau principal de notre fret humanitaire, qui est une station de potabilisation d'eau, puisse fonctionner dans des conditions optimales. Et il y aura aussi une partie du fret qui sera du fret de la part d'ONG. Et il faut être aussi certain que ce matériel puisse arriver à bon port, sécurisé, le temps que les ONG viennent le récupérer sur site. 18 heures de Ilyushin. 3 jours de voyage, enfin Balikpapan. It's a machine for water purification and all the tents for technicians. Generator. Generator okay. For machine. Everything unloading here. Yeah, no, yes. Palu. Unloading in Balikpapan. Palu. Oh, Baru, it's yeah. Old, Palu. Yeah, yeah. Très heureux d'arriver un peu tôt à 4h du matin, mais c'est tellement passionnant cette mission qu'on est ravis de dormir peu pour voir que tout avance, tout progresse avec cet avion qui transporte notamment notre station de potabilisation d'eau qui a été accueillie par les autorités indonésiennes qui vraiment nous facilitent le travail. On a une relation de confiance avec elles. On a des agents sur place, venus du poste. Je suis vraiment heureux de constater que les choses avancent. Si tout se déroule bien, on pourrait être capable de commencer à produire de l'eau vendredi. Voilà.
avoir ce soir une décision sur une zone d'implantation. Commencer à s'installer demain. We were there about 6 days and we circling around to look at the damage, and it's really bad. I'm really hurt to see the people like crying to asking help inside the building, but we cannot help. So that was making really hard. Now they need the food, they need the water. Arrivé à Palou avec 32 personnes. Ils ont fait jonction avec les 4 personnes qui avaient été projetées ici hier. Pour l'instant, notre priorité va être de réceptionner l'ensemble de notre fret, de contrôler que nous avons tout, de faire un inventaire précis et d'établir les contacts avec les autorités locales pour disposer de vecteurs pour pouvoir acheminer ce fret sur notre future zone d'opération. Dengan tetangga-tetangga saya ini berdampingan, pemisahan cuma jalan. Sekarang sudah tinggal segini. Donc en fait sa maison voilà était à 50 mètres en amont sur la colline et elle a glissé, elle est arrivée ici. Ini mobil. Ya Pak, mobil la voiture là derrière. Ada mayat 4 orang. Satu keluarga. Satu keluarga. Satu keluarga, ibunya, anaknya 2 sama ponakan tertimbun dalam situ. Diangkat dari kedalaman 6 meter. 6 meter. 6 meter. Donc en fait, là, apparemment, le véhicule était aussi vidé, il y avait 4 personnes à l'intérieur, ils ont été enterrés sous 6 mètres. Il a fallu, du fait des conditions lors du tremblement de terre, il a fallu attendre quasiment 4 jours pour pouvoir accéder à certaines zones ici, pour que les secours puissent porter justement leur assistance aux victimes. Il y a à peu près encore 1000 corps qui n'ont pas encore pu être évacués et récupérés. Je peux lui dire de notre part qu'on est vraiment désolé pour ça et que nous on est là pour aider les survivants en apportant de l'eau potable. Très bien. Après-midi, on va aller donc mener des reconnaissances pour trouver des sites d'implantation probables, essayer de prendre contact avec les pompiers pour voir s'ils peuvent nous mettre à disposition des camions et des voitures. Et puis donc finir par cette réunion, on devrait décider de notre zone d'installation pour demain. Là, on va effectuer des analyses préliminaires qui vont être déterminantes pour notre implantation. À ammonium, on est à 3. La qualité de l'eau, ça va induire beaucoup de facteurs pendant la production, déterminer ou non s'il y a des risques de type pollution industrielle, s'il y a des enjeux au niveau de la sécurité, pour permettre une production de l'eau optimum en étant au plus proche de la ressource et d'avoir la base de vie vraiment à proximité du site de production. Ça, c'est vraiment des facteurs majeurs pour permettre une évolution au sein de la mission dans les meilleures conditions. Il faut vraiment insister sur l'ammonium. Parce que l'ammonium, ça parle, c'est tout ce qui est matière fécale. Oui, moi, je ne connais pas grand-chose. Voilà. Il faut vraiment insister là-dessus. D'accord. De manière, vous venez avec nous parce que je pense qu'on ne va pas prendre le temps de vous déposer à l'aéroport. On va y aller direct. Ammonium, bon. Fer 10, fer 5. Fer 5, pardon. 280, ouais, c'est bon. Et pH 5. Kualitas air bagus. Kita sudah mulai semua tes di sini. Tes yang pertama semua baik di sini ya. Kita pompa dari sungai ya. Yeah. Setelah ini ada proses purifikasi.
Ça, c'est à base de précantation. De l'eau à décantation, purification, analysis. Untuk analysis, il faut demander aux autorités locales, c'est ça? C'est eux qui donnent la validation. Alors, untuk analisis, kalau ada orang dari dinas kesehatan mau datang untuk cek, silakan. Ya, mereka bisa datang, ils peuvent venir dès ce soir en fait pour faire des données. Non, faut qu'on ait un site de 24 heures. Voilà. Setelah kita mulai bangun 24 jam setelah ini, orang dari dinas kesehatan bisa datang untuk cek kualitas air, ya. Mais c'est les qualités EMS. Tapi kualitasnya kualitas sama WHO, ya. WHO, World Health Organization. Et la gouvernement nous a d'emblée dit qu'il y aurait un site intéressant sur un stade de foot à proximité des besoins de la population. Donc nous partons immédiatement faire une reconnaissance pour voir si ce site est plus favorable. Pampa, la pompe sera là, mais Pampa, le fond. Oui, les tuyaux, ils vont là, les tuyaux, ils vont être à l'intérieur. Voilà. T'as mis, c'est là, ici. Ini agak ke tengah, karena ini jalan pak. Iya jalan. Maksudnya mereka pemuter lewat di itu. Peut-être des passages de l'eau. Il y a des protégés. Oh, voilà. Il y a des serrans, il y a avec des pierres. Avec des pierres. Il y aura sans doute des gens qui vont venir vous voir pour vous demander peut-être un peu d'aide sur des petits travaux. Donc, on pourrait éventuellement faire, ça dépend de ce qu'on veut avec les équipes et nos équipements. Oui, je pense que c'est ce qui risque de se passer. Oui, mais... Tu peux dire qu'effectivement, ça fait partie de notre savoir-faire, qu'on ne vient pas envahir les gens, on vient pour les aider. Tout à fait. Donc naturellement, évidemment, on ne va pas construire une maison, mais des petits travaux. La situation est la suivante. Hier, on a reconnu 4 sites d'implantation possibles. Sur les 4, il n'y en a qu'un seul qui serait vraiment acceptable. Les autres, il y avait des no-go. On n'aurait pas pu produire ou s'installer dans des conditions de sécurité, d'hygiène, etc. satisfaisantes. Donc, il n'y a qu'un seul site possible. En cas de réplique, on l'a dit, vous sortez des bâtiments. Le point de rassemblement, c'est ici. Si vous êtes à l'extérieur, c'est à l'extérieur du bâtiment, avec votre chef. Chaque chef compte ses éléments, compte rendu au niveau du PC, pour savoir si tout le monde est sauf. Hein? Au niveau des séismes et des répliques, sur l'Indonésie, certes, c'est grand, mais il y a quand même eu 40 séismes de plus de magnitude 5 de tout le mois de septembre, en 30 jours. Maybe it's him. Yeah, it's a young man who is, how do you say in English? It's not a employer of Mercure. Yes, employer of Mercure. Yeah. The direction in Paris wants them to tell them that you're looking for two people employee, yes. But from France. No, not French people. Okay, but local the employee people, of Mercure. Yes. Oh, okay. And when did you find her? Maybe 5 minutes before you coming here. But where? Behind the building, maybe it's lobby or pantry. Oh yes, but in the first ground floor. In the first floor. On est à côté d'une rivière qui va permettre de pomper l'eau et de les stocker dans les citernes en plastique. Là, pour l'instant, c'est le débarquement des camions matériels, des pompes de potabilisation. Ils estiment que dès ce soir, ils pourront produire, en tout cas pomper de l'eau.
suite des tests biologiques. Donc les tests biologiques, ça dure 24 heures. On les a fait hier à l'installation du site. Donc ce soir, nous serons fixés sur la présence ou non de bactéries après désinfection. Si le test se révèle négatif, nous pourrons dire que l'eau est potable. Après, dans un second temps, il faudra contacter une personne du ministère de la Santé qui va pouvoir venir voir notre eau, voir nos analyses, voir un peu comment on travaille, lui présenter les machines, etc., pour pouvoir valider la distribution. Ça, c'est un élément clé dans cette chaîne de production, c'est d'avoir cette validation pour pouvoir distribuer au plus rapidement. On est venu ici au nom de la France. Du coup, nos hautes autorités sont intéressées de savoir si notre mission est remplie. C'est pas du tout pour mettre la pression au groupe production, au groupe analyse. Voilà. Mais c'est pour également vous faire sentir que s'il y a du sens dans l'émission d'aller aider les populations, il y a aussi le sens de représenter la France. Where do you come from? I'm sorry. From France. France, oh my god. I'm here near here, close by. You live here? Yeah. Okay. Yeah, beside this building. Okay. And also include the victims of this earthquake. Yeah. Yes. There will be drinkable points of distribution here, so you can come maybe tomorrow with your gallon water. Yeah, to take it. We will do all our best to produce a lot of clean water, and we will really hope that it will help the Indonesian population. Thank you. God bless you. Alors le programme, on va sur le camp de base et sur une petite production. Vous êtes présenté par le lieutenant-colonel Nico. Nous avons déjà un camion que les pompiers nous ont envoyé, que nous sommes en train de décontaminer afin de le remplir pour faire une distribution dans la journée sur un des principaux camps de réfugiés. Sur le long terme, la question qui va se poser, c'est bien sûr la question des camions qui seront disponibles afin de distribuer cette eau. Ça, c'est la première question sur le court terme. Sur le moyen terme, la question de Veolia se pose aussi, c'est-à-dire est-ce que l'équipement peut rester sur place, dans quel cadre, y a-t-il une formation qui va être mise en place, qui assurera la logistique, qui assurera le management, est-ce que c'est la ville de Palou, voilà. D'aller sur une gaille, donc il y a des décantations dans un premier temps. Le process décantation de l'eau, après, autre part, perfrasie, et après, ensuite, désinfection, toute chloration, désinfection, ça va dans cette raïne, aérien, on touche un analyse, ça donne 7h40 minutes. C'est-à-dire tout le cas pour le milieu. Dans le standard NEA, standard WHO. Chlorine. Chlorine. Ammonia. Si, ammonium. It's important. Yeah. Nitrite. Nitrite. And nitrate. Yeah. Nitrate. Okay? Nitrate. So. This is our result of the analysis. After one test, after the filtration, one test, after the disinfection, test. Jadi memang harapannya kita bahwa karena ini air bakunya air sungai, maka memang
pemeriksaan itu secara kontinu diperiksa airnya. Jadi bukan hanya sekali. Jadi kalau bisa setiap hari atau 1 kali 24 jam itu ada paling tidak pH harus terlalu terukur. Kemudian E. coli, karena ini adalah air sungai, masih banyak masyarakat yang buang air besar di sungai sehingga masyarakat itu bisa terjamin. On se rend sur le premier lieu de distribution de l'eau produite par la station. Un lieu identifié évidemment en étroite concertation avec la mairie et les autorités locales. Et nous y rendons maintenant accompagnés du représentant du ministère des Travaux publics indonésien. Secara ini waktu kita bilang bisa, silakan bisa ya, oke? Terima kasih banyak ya. Oke. Air bersihnya susah, jadi kita perlu bantuan. Tapi air bersih harus rebus dulu. Iya. Kalau untuk sekarang harus direbus dulu. Iya. Pakai itu ya bisa minum langsung. Kalau air bersih ada, cuman kalau ini kan langsung minum. Langsung minum ya. Betul pak. Boleh. Selamat sore Alban. Pak, kita mau tahu ini solusi ini sama air minum yang datang langsung bagus untuk Bapak? Ya, insya Allah bagus ini. Insya Allah bagus ya. Karena dulu hanya air bersih yang datang. Okay. Apalagi nih air bersih dari jauh-jauh ini berarti bersih kan? Betul. Sekarang apa? Kira-kira ada berapa orang yang tinggal di sini? Tinggal di sini ratusan ini di tenda ini. Di tenda ini ya. Dia dalam satu tenda itu 3 kakak. 3 kakak. Oke. Wanita besar Perancis. Iya, terima kasih Perancis, terima kasih. Thank you. C'est quand même un sentiment d'émotion voir que cette aide française, cette eau potable qui arrive comme ça de notre station d'abord a été vraiment attendu. Il y a eu un attroupement immédiat autour du camion de pompiers et puis les gens étaient très reconnaissants. Bien sûr, on aurait pu faire comme d'autres un chèque à la Croix-Rouge, c'était sans doute utile, mais là on voit qu'on fait la différence, qu'on aide concrètement les gens. Ça, c'est vraiment très touchant et voilà, on se sent fier de représenter un pays capable de faire ça. Voilà. La mission du CDCS est remplie dans la mesure où on a amené sur site de France tout le matériel. Donc maintenant il est temps de gérer ça de loin puisque le site est entre de bonnes mains et surtout les formistes que maintenant vont devenir opérationnels et vont pouvoir remplir la mission pour laquelle ils ont été envoyés ici. Toute cette équipe de France a formidablement bien fonctionné et c'est vrai qu'on ne peut qu'en être heureux dans évidemment une situation qui était absolument terrible.